Le titre que je donne, c'est le titre du le thème du séminaire, et bâtir et bâtir une famille heureuse avec Dieu. Ça a été très inspiré. Et je voudrais vraiment dire que si dans une assemblée les leaders, surtout le premier leader, a en tête, reçoit vraiment à cœur d'organiser. Des stands de séminaires ou de conférences autour de la famille. Moi, je dis toujours, il faut rendre grâce à Dieu pour de tels leaders. Ce sont des leaders qui ont compris. Ce sont des leaders qui ont compris que le bon chrétien se forme dans la famille. Ce sont des leaders qui ont compris que sans une famille stable, l'église ne peut pas être stable. Sans une famille harmonieuse, l'église n'a pas de force. Et il faut que ça, ça soit clair pour chacun d'entre nous. Souvent, on prend ces programmes-là comme des programmes secondaires. Souvent, on voit ces programmes-là comme des programmes où on va dire des choses qui vont peut-être exciter l'imagination des gens. Non. Si nous comprenons ce que Dieu a fait à travers la famille, et surtout si nous savons ce que Dieu veut à travers la famille, pour même l'accomplissement de nos destinées, nous allons prendre la question de la famille très, très, très au sérieux. Et nous n'allons pas laisser... Certains, c'est-à-dire que nous allons placer les programmes autour de la famille parmi les principaux programmes. Parce que si tout va bien dans la famille, tous les membres de la famille croissent. Et il y a la bénédiction qui descend dans la famille. Mais quand ça ne va pas, quand l'homme et la femme sont en, dans une situation de mésentente, et jour après jour, il, il, la maison est remplie de disputes. Les enfants sont tristes, l'atmosphère n'est pas du tout joviale. En ce moment-là, sachez une chose, Dieu ne peut pas déverser sa bénédiction dans une telle situation. Donc moi, j'ai vu, il n'y a pas très très longtemps, c'est-à-dire quand j'ai vu comment mon cœur était porté particulièrement sur ce sujet depuis un temps, un jour le Seigneur m'a arrêté dans un temps de méditation. Pour me montrer comment il me préparait depuis longtemps à parler de la famille aujourd'hui et surtout la famille dans le cadre chrétien. Et ce jour-là, j'étais étonné de comprendre que Dieu, il écrit toujours droit sur des lignes courbes, nous menant là où il ne veut pas des sentiers souvent tortueux. Si la famille est la cellule de base de la société, la famille est aussi la cellule de base d'une assemblée locale. Parce qu'une assemblée locale, c'est plusieurs familles qui sont ruinées. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour ça Donc imaginez plusieurs familles dans une assemblée locale, des familles qui sont là et qui ne s'entendent pas. Quel type d'onction ces familles-là dégagent Au moment où le pasteur vient... Après s'être préparé longuement, après avoir jeûné, prié, et il vient avec l'intention de faire en sorte que la puissance de Dieu soit libérée sur le peuple de Dieu, il vient avec cette intention d'être un canal pour manifester la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. C'est en ce moment, c'est-à-dire au moment où lui, il est en train d'agir de, 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 pour bénir le peuple de Dieu, il y a une onction négative qui vient faire écran. Parce que justement, plusieurs foyers sont assis et ils ne s'entendent pas. Ils viennent avec un autre type d'onction. Parce que, soyons d'accord, l'esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir dans un milieu où plusieurs sont en bagarre. Quel que soit le niveau de préparation du pasteur, quand il arrive et que... Plusieurs familles sont là, les gens font semblant. Et vous savez, dans le milieu chrétien, on, a, on est expert dans le faire semblant. Et on fait comme si tout allait bien. Et l'homme, dans une attitude de religieux, vient s'asseoir. Quand on dit gloire à Dieu, il dit gloire à Dieu. Quand la femme s'assoit, on dit le Seigneur est bon, elle dit. Très fort, le Seigneur est bon. Mais en fait, ils ne s'entendent pas. En fait, ils ne se parlent pas. En fait, à la maison, c'est le trouble. Les enfants sont affectés par leur trouble. Toute la maison est affectée par leur trouble. Et ils sont chacun assis sur un petit fauteuil d'orgueil. Et personne ne veut aller vers l'autre pour parler, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Que personne ne veut aller demander pardon, même pas s'excuser et dire, « Bon, là, là, ma chérie ou mon chéri, avançons. » parce que dans tous les cas là nous sommes faits pour avancer. Personne ne veut faire ça et chacun se couvre de ce manteau d'orgueil et on continue comme si tout allait bien alors qu'on est les seuls à savoir que tout ne va pas bien. Il y a toujours trois niveaux qu'on ne peut pas tromper. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas tromper Satan. Donc à ces trois niveaux-là, que tu le veuilles ou non, Chacun sait ce qui se passe dans ta vie. Et si tu n'arrives pas à triompher à ton propre niveau, sur ton propre cœur, parce que notre cœur est souvent notre premier ennemi, si tu n'arrives pas à triompher à ce niveau-là, tu ne peux pas triompher dans ta famille. Parce que tu auras toujours une attitude d'orgueil, tu auras toujours une attitude de réticence, tu vas refuser de résoudre certains problèmes et tu vas t'asseoir sur des mésententes. Toi, tu sais que ça ne va pas. Dieu sait que ça ne va pas. Satan sait que ça ne va pas. Et au moment où tu sais qu'au niveau de ta famille, rien ne va, écoute, en ce moment-là, Satan est content. Puisque quand ça ne va pas entre vous, c'est comme si tu, as, tu lui as donné allègrement la clé de ta maison. Pour lui dire, vas-y, rentre et saccage les domaines de notre vie. Là, c'est ce que tu lui as dit de faire. Parce qu'il hey, faut être conscient de ce que, et, et, ce que la parole de Dieu dit. Il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens 4, 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi Dieu dit ça Si Dieu dit de ne pas se coucher avec la colère, que le soleil ne se couche point sur notre colère, c'est parce qu'il sait qu'il y a des conséquences. Il sait que si tu, tu, tu enfreins à, à cette parole-là, tu vas ouvrir grandement la porte de ta maison à Satan. Et lui, quand il vient, et surtout il trouve la porte ouverte, il rentre, il va appliquer son cahier de charge. Il a un cahier de charge, dès qu'il rentre là, il l'applique allègrement. Et son cahier de charge se trouve dans Jean 10:10, 10, où quand il rentre là, il égorge, il tue et il détruit. Et tu ne peux pas l'empêcher. En ce moment-là, le sang de Jésus ne peut pas te défendre. Puisque toi-même, tu n'es toi pas, tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Si tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, en ce moment, le sang de Jésus ne peut pas avoir toute sa force pour te protéger. Puisque tu développes une attitude de rébellion. Et plusieurs familles dans l'église de Christ développent cette attitude de rébellion. Si le Seigneur dit, ne te couche pas avec la colère, il y en a un qui se couchent avec la colère peut-être un mois. Donc chaque jour, il se lève, il se réveille et il continue. Et même quand ils arrivent sur ce passage de la parole de Dieu, ils commencent à se dire "Oh mais pour cette femme-là, je vais me coucher avec la colère." Dès lors que tu commences à développer une attitude négative et à te soumettre toi-même à la rébellion, il faut être sûr d'une chose, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Et en ce moment-là, il va faire tout ce qu'il veut pour que et vraiment tu ne puisses pas avancer. En ce moment, toi, tu es bloqué, ta femme est bloquée, tes enfants sont bloqués, et en ce moment, tu n'y peux rien. Parce que Satan, son objectif, c'est de rabaisser cette institution qui vient de Dieu. C'est toujours dire, faire croire que ce que Dieu a établi n'est pas une vérité. Ce que Dieu a établi... Tout ce que Dieu a dit sur la famille peut se passer autrement. Alors que non, ce que Dieu a fait, il tient à ce que cette première institution divine qui vient de lui, il tient à ce que cette institution se porte bien. Parce que cette institution est venue tout droit de lui et il tient à ce que tout se passe bien pour que son nom soit glorifié à travers donc tout ce qui se passe dans les familles. Puisque la famille c'est le lieu stratégique où nous recevons les bénédictions. C'est le lieu le cadre stratégique où chacun est béni, où chacun prospère, où chacun croit. Et si il y a des problèmes, personne ne va croître. Le premier niveau, la première situation, c'est-à-dire c'était que ces deux jeunes gens qui rentraient dans le mariage n'avaient pas appréhendé l'importance du mariage. Ils n'avaient pas compris que c'était une, une, une démarche extrêmement importante aux yeux de Dieu et qui devait affecter leur vie pour toujours. Ils n'ont pas compris à quel point le mariage était important. Ça, c'était un. Et la deuxième, la deuxième chose, c'était qu'ils n'avaient pas fait une bonne préparation de leur mariage. Parce que qu'est-ce qui se passait La femme... Elle était orpheline de mère et son père avait épousé une autre femme qui la faisait souffrir. Et donc à un moment l'échappatoire pour elle c'était de tout faire pour rentrer dans un mariage en se disant que l'homme va s'occuper d'elle. Et quand elle a cité tous les problèmes et en plus elle ajoute que au niveau de leur service parce qu'elle travaillait qu'on était un moment arrivé à dire que pour occuper certains postes de responsabilité, il fallait être marié. Bon, elle, elle était jeune fille, elle avançait, mais voici des conditions qui, qui s'étaient mises rapidement ensemble, et surtout quand elle voyait qu'elle n'avait pas les moyens et que son père assistait à tout ce qui se passait entre elle et sa belle-mère, elle ne savait plus quoi faire, un moment, elle a dit, il faut que je trouve... Le premier homme qui veut m'épouser et que je rentre dans le mariage, parce que pour elle, c'était une façon d'échapper à tous ces problèmes et de pouvoir donc euh, vivre une autre vie. Donc, elle est tombée sur ce bonhomme qui aussi était responsable à l'église quelque part. Et il était dans un groupe musical, dans le groupe musical, et tout le temps, il entendait dire que pour être consacré à certains postes, il faut quand même que la personne soit mariée. Donc, il y avait une pression aussi de son côté. Et il y avait un certain nombre de situations dans sa vie aussi. Et surtout qu'il avait une tante qui passait le temps à lui dire chaque fois On a assez donné des cadeaux aux autres. On veut recevoir maintenant des cadeaux de votre mariage. Donc voici une tante qui le titillait avec des plaisanteries de ce genre. Et souvent elle arrive à la maison et ce jeune homme dit que souvent cette tante-là arrive à la maison et dit que mais toi, tu n'as pas honte, on doit toujours préparer, te donner pour que toi tu manges. Il faut que tu puisses te marier maintenant parce que nous on veut recevoir le taux de notre belle-fille. Donc il explique ça hein? Donc voici un ensemble de conditions aussi de son côté qui l'ont presque poussé à aller très vite au mariage. Donc de part et d'autre, chacun avait certaines raisons qui faisaient qu'il fallait se marier. Et voici donc des jeunes, deux jeunes gens qui sont allés très rapidement au mariage sans appréhender l'importance du mariage, sans aussi faire une bonne préparation du mariage. Et voilà, ils se retrouvent dans le mariage sans grande préparation. Et voici aussi que quand je prenais la parole de Dieu avec eux, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas compris que Dieu, en plaçant cette institution qui est le mariage, il avait accompagné cette institution-là d'un ordre divin. Il y a des rôles, des responsabilités de chaque membre dans le foyer, dans, de chaque membre dans le mariage. L'homme a une part de, de responsabilité à jouer, il a un rôle à jouer, la femme a un rôle à jouer et chacun a des attributions dans le foyer. Les enfants aussi ont leurs attributions. Ils savent aussi, doivent savoir aussi ce qu'ils doivent faire étant donné qu'ils sont aussi membres de la famille. Et Dieu a prescrit, a donné un ordre divin. Et donc je me suis rendu compte aussi que ces deux jeunes gens n'étaient pas tout à fait conscients de cet ordre divin, de cette carte routière qui devait les accompagner. Et que si chacun jouait convenablement son rôle, se soumettait à la parole de Dieu, tout en étant fixé sur Dieu, si chacun le faisait, ils n'allaient pas avoir tous ces problèmes-là qu'ils avaient eus. Le quatrième point que j'avais détecté, discerné clairement, et ça, ça arrive aussi à plusieurs jeunes qui rentrent dans le même pas des jeunes, et il y a des couples souvent et très âgés qui ne comprennent pas le phénomène que je vais décrire. C'est-à-dire que chacun ne sait pas comment fonctionne le sexe opposé. L'homme est l'homme, la femme est la femme. L'homme a une logique masculine. La femme a une logique féminine et chacun a un décodeur selon son genre. L'homme décode certains phénomènes d'une certaine façon parce que cela se rapporte à son genre, cela se rapporte au fait qu'il soit homme. La femme aussi a décode les choses d'une certaine façon et cela se rapporte au fait qu'elle soit femme. Et il y a, on est différent. Hommes, femmes différents, on a réagi différemment. Et souvent, ce qui est le pire, c'est que souvent, devant une situation, on se dit que l'autre doit réagir comme moi, je l'aurais fait. Et en ce moment-là, on est dans une situation où on ne se comprend pas. Facilement, on va voir une femme, très tôt, très vite après le mariage, commencer à dire Je me demande si mon mari m'aime. Parce qu'il ne prend pas le temps de m'écouter. L'homme aussi va commencer à... Il, il développe une patience. L'homme aussi va commencer à dire, mais elle parle trop. Elle veut expliquer toutes sortes de choses dans les détails. Et moi, ça m'énerve. J'ai entendu ça dans ce couple-là. Donc, ici-là, il y a pas mal de points qui se rapportent à ce point-là. Qui sont, qui sont extrêmement importants et que souvent nous n'appréhendons pas. Nous ne savons pas qui est notre mari, nous ne savons pas qui est notre femme, parce que justement, chacun opère différemment, chacun aime différemment, chacun a des façons de faire différemment et chacun sait et, et qui il est. L'homme est l'homme et la femme est la femme. On est différent, on n'est pas fait de la même façon et on réagit différemment, on, a, on, a, on gère les choses de façon différente. Donc là, là, je crois qu'on va tout faire pour revenir sur ça parce qu'il y a des points. Souvent, quand on y revient, tout de suite, il y en a qui disent, lors du dernier séminaire, avec le centre et le là à Ouaga, à la fin il y a un pasteur qui dit, j'ai vu maintenant d'où venaient mes problèmes avec mes femmes, ma femme. Et il dit qu'à partir de maintenant, tout va changer. Parce que maintenant, j'ai été éclairé sur qui est la femme et je saurai comment mieux et, et m'occuper de ma femme. Et il dit que je vous promets qu'il n'y aura plus de problèmes. Parce qu'en réalité, il dit que tous les problèmes qu'il avait dans son foyer étaient justement basés sur ce phénomène-là, où lui, il ne savait pas comment la femme réagissait. Et tout l'énervait. Donc ça, c'était un point aussi que j'avais détecté au niveau de ce jeune couple. Et aussi, l'autre point extrêmement important que j'ai discerné dans la vie de ce couple-là, et qui souvent se passe au niveau des couples au niveau de, de nos assemblées c'est que on ne connaît pas toujours les clés essentielles pour une famille heureuse il y a des clés il faut les connaître il y a des clés il faut les appliquer le tout n'est pas de les connaître mais il faut les appliquer et quand on les applique on a en tout cas on est à 90% de de, de situations où beaucoup de choses vont bien se passer parce que ces clés-là se rapportent forcément à Dieu. Ces clés-là se rapportent forcément à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Et nous allons voir cela par la suite. Et là, enfin, 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 j'avais discerné que dans ce jeune couple-là, ils n'ont pas su faire attention à certains ennemis du foyer. Nos foyers ont des ennemis. Il faut les connaître pour pouvoir leur barrer la route. Il faut connaître, il faut savoir quels sont ces renards-là qui viennent pour détruire nos vignes. Il faut savoir quels sont ces loups qui viennent pour détruire nos vignes. Et souvent, quand on parle d'ennemis, les gens voient tout de suite une personne qui vient s'interférer comme un ennemi. Non, il y a des situations qui sont des situations ennemies de votre foyer. Et si on ne les connaît pas, facilement on laisse la porte ouverte et certains ennemis viennent sous forme de renards et ils détruisent cette vigne-là qui est la vie familiale. Et en ce moment-là, au moment où on se rend compte, les choses sont déjà avancées et souvent on a de la difficulté à revenir en arrière pour certaines situations. Donc voici six points que j'avais discernés et je pouvais étayer ces points-là avec des exemples pratiques de la vie de ce jeune couple. 18 mois. Et c'était déjà une catastrophe. Et j'en ai vu des couples de six mois qui ont commencé même à se battre. Des couples de dix mois qui ont commencé à dire j'en ai marre. Pourquoi tout cela Et c'est pourquoi, je dis encore, l'Église de Christ, nous avons intérêt à nous réveiller à temps. Nous avons intérêt à comprendre que nous devons accompagner les aspirants au mariage. Nous avons intérêt à nous lever pour donner des enseignements qui sont basés sur cette, cette vérité biblique, pour les amener de façon consciencieuse à rentrer dans le mariage et bâtir des foyers qui sont solides et des foyers qui seront toujours à la gloire de Dieu. Alors que quand nous regardons, nous ne pouvons pas dire, ce n'est pas toujours qu'on a de tels séminaires. Je peux vous le dire, même le séminaire qu'ils viennent de faire sur le séminaire en réunissant toutes leurs assemblées, ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils le faisaient. Et pourquoi Parce que justement l'année dernière, lors de cette demi-matinée où j'avais eu à intervenir avec des clés, j'étais parti directement sur les clés et les couples après ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien. Donc, et c'est là où ils ont réuni toutes les assemblées, leurs assemblées, pour les soumettre à ce séminaire. Et à la fin, il y a eu vraiment beaucoup de restauration de couples. Donc, c'est pour dire, dans les assemblées, souvent, on ne pense pas tout de suite. À de telles rencontres. On ne pense pas à dire aux couples, d'abord à la, à, la, à la catégorie, à la jeunesse, de euh, on ne pense pas à les réunir pour commencer déjà à les préparer pour le mariage. Et ceux qui sont déjà mariés, on ne pense pas tout de suite à les accompagner avec des enseignements spécifiques. Les enseignements généraux, très de, de très bons enseignements sont donnés, mais souvent, dans certaines églises, on n'a pas d'enseignement, de cadre où on peut accompagner les couples. Et je dirais que l'Église catholique a mieux compris dans ce domaine-là. Parce que je sais que dans l'Église catholique, en tout cas au Burkina, ils ont ce qu'ils appellent les modules de formation pour les couples. Et ils font ça sur trois mois. Et pour le couple qui n'arrive pas à suivre certains enseignements, on va te retarder. Et on te dit que si tu ne complètes pas les modules, on ne peut pas te permettre de, se marier, de te marier. Et ils sont très sérieux là-dessus. Et après le mariage, ils ont ce qu'ils appellent les retraites pour les couples. Où les couples vont, ils s'évaluent, ils voient comment ils sont en train d'avancer, ils voient qu'est-ce qui se passe dans leur foyer. Est-ce qu'ils sont en train de bien avancer Est-ce que les enfants sont à l'aise Est-ce que chacun est vraiment à l'aise Et ils s'évaluent. Et en s'évaluant, ils prient souvent pour de nouveaux départs. Et. Donc au moins, ils ont le mérite de donner ces enseignements. Parce que si un médecin a besoin de 7 ans, même 8 ans pour se former, parce qu'il veut être un bon médecin, même un chauffeur, s'il n'a pas le permis, on va lui dire qu'il ne peut pas conduire. Mais pour rentrer dans une entreprise aussi sérieuse, il faut qu'on s'éveille. Et qu'on commence à multiplier des cadres comme celui-ci, et pour pouvoir édifier et, et tout un chacun les couples, pour que les familles puissent bien se porter, pour que l'Église se porte bien et que de, depuis la maison on puisse former de bons chrétiens pour rendre l'Église de Christ très forte. Donc est ce qu'on se comprend, est ce qu'on se suit jusqu'à présent? Quand la famille traverse des difficultés, je vous assure que chaque membre est affecté. Chaque membre est affecté. Et en ce moment-là, on ne sait plus souvent quoi faire parce que ça devient de la confusion. Quand il n'y a pas d'équilibre dans une famille, quand il n'y a pas l'harmonie dans une famille, il y a la confusion qui s'installe. Et quand la confusion s'installe, l'ennemi prend le profit. Quand la confusion s'installe, nous ne savons plus en ce moment Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que vous voyez, la famille doit être un havre de paix. La famille doit être un oasis de paix et où chacun est conduit par l'esprit de Dieu. Et si chacun est focalisé sur Dieu et sa parole, en ce moment-là, ch chacun vis-à-vis -vis de l'autre pourra jouer convenablement son rôle. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour ça? Mais si on a enlevé Dieu de notre système familial et il se trouve que bon nombre de familles ont enlevé Dieu de leur système familial. Et dès lors que les familles se détournent de Dieu, on voit déjà les difficultés commencer à venir. Et c'est pourquoi nous devons faire attention parce que même nos destinées nos destinées commencent à se dessiner à partir de la famille. Donc si dans la famille il y a des problèmes, on peut même manquer sa destinée. L'homme peut manquer sa destinée. La femme peut manquer sa destinée. Les enfants n'en parlons pas. Pourquoi Dans Proverbe 21, il est dit et au verset 9 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Est-ce que vous comprenez Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vous voyez, l'angle d'un toit. Est-ce que vous imaginez C'est pour dire si. Oh, là, et, et, et Salomon, l'homme sage de l'époque, va jusqu'à dire mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Est-ce que quelqu'un peut habiter à l'angle d'un toit C'est pour dire mieux vaut pour cet homme-là de s'enfuir que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et au moment où nous parlons de cela, toi tu te connais, tu sais que tu es querelleuse. Tu sais que tu as ça, tu es experte en querelle. Et le cœur du Seigneur n'est pas content. L'Esprit de Dieu ne peut pas fonctionner avec une femme querelleuse. Ce n'est pas possible. Si tu as la querelle en toi, le Saint-Esprit te convainc ce soir-là d'arrêter ça pour pouvoir marcher sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Parce qu'une femme querelleuse, c'est une femme rebelle. Et plus loin. Au verset 19 du même chapitre, il est dit, Mieux vaut habiter dans une terre déserte <laughs> qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mais ici, clairement, on comprend la situation de ce frère-là. Il a pris son baluchon, je vous assure. Il est parti, pourtant il avait une grande maison, un étage. Il a laissé cette femme-là là-bas. Il est parti construire une maisonnette de 16 tôles. Il est là-bas seul. Non, c'est-à-dire, il ne faut pas en rire, parce que c'est la souffrance des gens comme ça. Et beaucoup d'hommes sont dans des situations pareilles. Et souvent des situations qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Parce que la violence, il n'y a rien de, de plus grave que la violence morale et psychologique. Si même on frappe quelqu'un, tout le monde voit qu'on le frappe. Mais l'autre est là, stoïque, avec un sourire. Il fait comme s'il n'y a rien, mais il torpille l'autre à la maison. Il veut lui enlever la vie. Donc cet homme-là était obligé de prendre son baluchon et de partir. Il est parti pour sauver sa vie. Femme, alors que nous parlons ce soir, je t'invite à faire une introspection. Qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Est-ce que tu es une femme sage qui bâtit sa maison ou est-ce que tu es une femme insensée qui la renverse de tes propres mains La femme est trop importante dans le système familial. Et si tu n'as pas compris cela, vraiment ma prière, c'est que d'ici la fin de ce séminaire, que tu connaisses ta position dans la famille et que tu puisses jouer convenablement ton rôle dans la famille au nom de Jésus. Parce qu'en plus, tu vois, vous voyez, il est dit dans, proverbe, dans le livre des Proverbes, au, au, au chapitre 12 verset 4 une femme vertueuse est la couronne de son mari une femme vertueuse est la couronne de son mari donc il y a des hommes quand on les voit tout de suite on sait que derrière eux il y a une femme vertueuse parce que on voit l'homme avec une couronne on ne verrait pas l'homme avec une couronne physique mais on voit l'homme qui se porte bien on voit l'homme qui accomplit sa destinée correctement. On voit l'homme portant la vision, le rêve que Dieu lui a donné de façon responsable et avançant en toute sécurité et en toute assurance. Parce qu'il sait que derrière lui, il y a une femme vertueuse qui est là cachée. Qui ne se peut pas forcément voir. Une femme intelligente ne se fait pas forcément voir. Une femme intelligente, non. Mais rien qu'à voir son mari. On doit savoir que derrière lui, il y a une grande femme, une femme vertueuse qui se cache. Que Dieu fasse de chacun de nous ce soir-là des femmes vertueuses au nom de Jésus et des femmes qui constituent des couronnes sur les têtes de nos maris. Mais à contrario, regardez. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Et il y a une version de la Bible qui dit... Ici, on parle de carie dans ses os. Ça veut dire, la carie, c'est quoi La carie, c'est ce qui ronge. Ça ronge les os. Et dans la version du français courant, il est dit, et, et, et là, on ne parle pas de carie, on parle de cancer. Cancer pour, pour, pour les os de cet homme. Celle qui fait honte. Elle fait honte à son mari. Et il y a combien d'hommes aujourd'hui qui vivent des situations où ils sont en train d'aller doucement dans une mort douce à cause de leur femme Mais oui une mort douce parce que c'est pas de façon violente, de façon rapide mais jour après jour cet homme là perd ses énergies jour après jour il rentre il prend un chemin où il n'est plus en train de se retrouver jour après jour il rentre dans une irritation. Qui le caractérise, on commence à le connaître par la violence. Pourquoi Parce qu'à la maison, justement, il y a une femme qui constitue, qui est une carie pour ses os, qui est un cancer pour ses os. Le cancer tue. Et il y a des femmes qui, insidieusement, tiennent la vie de leur mari et travaillent comme si elles étaient en train de le ronger. Et souvent, nous voyons des hommes qui ne tiennent pas. Dans tous les cas, au moment où j'en parle, et vous pensez déjà à des situations. Si vous-même vous, vous n'êtes pas en train de, de vous comporter de cette façon, et je prie vraiment que l'esprit de Dieu touche le cœur de toutes les femmes, parce que en fait, notre rôle est extrêmement important dans le système familial. Et quand tout va bien au niveau de la femme, et on a vraiment cette grâce-là, que la famille se porte bien à cause de cette femme-là, de la femme. Et donc, il faut que nous comprenions une chose. Quand nous regardons, et pourquoi je dis que la femme a un rôle important, parce que si vous prenez, vous allez dans Genèse 2, 18, la parole de Dieu dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Ça, c'est Dieu lui-même qui évalue ce qui se passait. Il regarde Adam vivre et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et cette aide-là, la parole de Dieu est claire. Hein? Quand et, et, Adam va, quand au verset 21 de Genèse 2, Dieu va faire tomber Adam dans un sommeil profond. Et il prit, il est dit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ici, je crois que déjà Dieu était en train de poser des actes très prophétiques. Très prophétiques en ce sens que, vous voyez, il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et du verset 19 au verset 20, nous voyons comment Dieu a fait venir, tout, et il a formé de la terre tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel, il les a fait venir vers l'homme pour que l'homme donne un nom à chaque animal. Mais il est dit dans la dernière partie du verset 20, « Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Donc de toutes tous ces animaux, de toutes ces créatures qui étaient là, il n'y avait pas d'aide semblable à l'homme. Mais maintenant, Dieu le fait rentrer dans un sommeil profond. Il prélève une côte. Et Dieu était en train déjà de parler sur la femme. Il était en train de dire, vous voyez, le, les côtes, c'est le dispositif qui est là et qui protège tous les organes vitaux de l'homme. Vous voyez, les, les pancréas, le cœur, les poumons, tous ces organes vitaux sont cachés derrière la côte. Et en prélevant une côte, Dieu était déjà en train de parler du rôle de la protection que la femme allait jouer pour l'homme. Donc, en ce moment-là, si nous comprenons cela, nous devons comprendre que notre, c'est-à-dire notre présence auprès de notre mari et ensuite dans la famille est critique. Et voyez, plus tard, Dieu, et Adam va jeter l'explication sur ce que Dieu a fait. Quand il voit Adam et Ève, il dit :« Waouh !» Il se réveille de son pro sommeil profond et il dit :« Os de mes os » La chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'eau. Os de mes os. Vous voyez, c'est la partie essentielle de l'ossature d'un homme. Et si nous prenons par exemple la colonne vertébrale, quand un homme n'a pas de colonne vertébrale, il ne peut pas tenir droit. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Il ne peut pas tenir droit. Os de mes os, ça veut dire que toi, femme, sans toi, l'homme-là ne peut pas tenir droit. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça ça, c'est la parole de Dieu qui dit, sans toi, l'os de mes os, et il dit, la chair de ma chair. Et cette chair-là, dans certaines versions, il est dit, cette chair qui recouvre toute ma chair. Dieu parle encore de la protection par rapport à l'homme. Donc la femme, elle doit jouer un rôle de sécurité, un rôle de protection autour de son mari. Et en plus, elle est un pilier incontournable dans la maison. De, elle est l'âme de la maison. Si c'est une femme joviale, tout de suite la maison s'en ressent. Tout dans la maison dit, soyez les bienvenus. Mais quand c'est une femme morne, une femme qui n'est pas joviale, qui est triste, l'atmosphère de la maison va être triste. Qu'on le veuille ou non, la femme est l'âme de la maison. Donc ici, c'est pourquoi quelque part on dit la femme c'est le foyer. Le foyer, ça veut dire, en tête, fait, on est en train de dire sans elle, un foyer ne veut pas bien tenir. Mais pourvu que tu sois une femme vertueuse, une femme sage qui ne renverse pas sa maison de ses propres mains. Est-ce que ce soir, femme, on se comprend il y, a, il y a certains rôles que nous devons jouer. Il y a certaines responsabilités que nous devons savoir prendre comme il faut, parce que là, Dieu nous regarde dans ce qu'il nous a envoyé faire dans la famille et surtout auprès des maris. Parce que, vous voyez, Eve, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand il a fini de faire, de façonner cette femme-là, il l'a amenée auprès de l'homme. Et moi, je crois que notre Dieu, si intelligent qu'il est, il n'a pas pris Ève comme ça pour dire Adam, tiens, il a, il a dû asseoir Ève pour lui dire. L'enjeu de sa présence auprès de cet homme. Pour lui dire tout ce qu'elle aura à jouer. Un cahier de charge qu'il a dû détailler pour lui dire. Et pour lui dire aussi De toi dépendra de beaucoup de choses dans la famille. Et de toi dépendra de beaucoup de choses auprès de ton mari. Parce que si moi je suis le Dieu des cieux. Et je règne dans les cieux. Et ton mari Eve, Adam là, il doit régner sur la terre et accomplir le plan que je lui donne à accomplir. Et en ce moment-là, en allant toi femme, en t'amenant vers cet homme là, c'est pour que je suis en train de t'amener en mission. Et tu dois jouer convenablement ton rôle dans cette mission. Et tu y es par comme une aide. Et il ne faut pas confondre les choses. Nous sommes aides et nous sommes en mission. Et c'est pourquoi plus tard Dieu va dire tu dois être soumission. La soumission. Parce que nous sommes en mission et nous devons faire en sorte que notre rôle d'aide, là, que nous puissions le jouer convenablement pour que cet homme qui a reçu la vision, cet homme qui a reçu un plan à accomplir, qu'il puisse le porter de façon responsable. Parce que justement, derrière lui, il y a une femme sage qui bâtit la maison, une femme de prière, une femme qui est guidée par le Saint-Esprit, une femme qui, qui ne rentrera pas dans les voies de la méchanceté, une femme qui sera joviale, pour amener la paix et la joie du Seigneur dans la maison et une femme aussi qui sera suffisamment équilibrée pour traiter tout le monde dans la maison comme il faut et selon surtout tout ce que Salomon et le roi Lemuel dit dans Proverbe 31 à partir du verset 10 d'une femme vertueuse. Une femme, Dieu attend de nous d'être des femmes vertueuses. Des femmes qui allons construire le foyer. Des femmes qui allons faire en sorte que les foyers se portent bien. Et Dieu attend de nous cela. Parce que, en plus, nous avons le nom de Jésus. En plus, nous avons le Saint-Esprit en nous. En plus, nous savons que, par le sang de Jésus, nous pouvons arrêter beaucoup de choses que l'ennemi veut amener dans nos foyers. Et c'est pourquoi, toi, femme, tu dois prier. Tu dois être une femme de prière une femme de prière qui dit non à l'ennemi une femme de prière qui arrête toute intervention toute interférence de l'ennemi tu dois pouvoir te lever au moment où personne ne sait encore lever dans ta famille tu dois être à genoux et tu dois tes genoux doivent parler tous les jours, parler pour ton mari, parler pour chacun de tes enfants. Et selon leur profil, selon ce qu'ils sont, tu dois prier de façon à ce que chaque personne rentre dans sa destinée. Une grosse responsabilité et le Seigneur nous soutient en cela. Et c'est pourquoi, quand tu te lèves et tu te mets à prier, quelque chose se passe dans ta famille. Forcément, quelque chose va se passer. Parce qu'une voix est en train de s'élever vers Dieu pour réclamer la protection, la sécurité, pour réclamer des choses pour la famille. Et quand tu sais le faire, ta famille va se porter bien. Et en ce moment-là, tu sais que tu dois faire attention pour que l'ennemi n'ait pas de brèche. Et c'est pourquoi, même quand tu as un homme, face à toi, tu as un homme qui ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, tu peux l'amener par ta prière. Tu l'amènes par ta prière. À se soumettre à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment, toi, tu es une femme sage. Ça veut dire qu'en ce moment, tu es une femme vertueuse. Une femme qui sait écouter le Saint-Esprit. Une femme qui est en communion avec le Saint-Esprit. Et tu n'as pas besoin de courir aller raconter des choses à tes amis parce que, en plus, tu ne sais même pas ces amis-là, c'est qui pour toi. Et souvent, nous les femmes, on raconte trop vite certaines choses. Et dès que ça sort de ta bouche, ça ne t'appartient plus. Dès que ça sort de ta bouche, perd tout le monde. Chacun peut habiller cette parole-là comme on veut. Et après, tu exposes ton foyer. Et en ce moment-là, tu es surprise de voir des choses se passer dans ton foyer et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons vraiment avoir l'esprit ouvert à la parole de Dieu, nous soumettre à Dieu et faire en sorte que Dieu, dans sa grâce vraiment, fasse en sorte que tout se passe bien. Mais dans ce passage que nous venons de lire, nous devons comprendre une chose. Nous devons retenir trois ingrédients essentiels. De Genèse 2, du verset 18 jusqu'au verset 24. Puisqu'il est dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Et dans ce passage-là, nous devons retenir que et, et, et des, des ingrédients clés qui doivent permettre à tout mariage de tenir bon. Ces ingrédients sont quoi, quoi? Dans ce passage-là de Genèse 18 et 2, 18 à 24, nous comprenons que dans le mariage, il faut une communion pratique. Autrement dit, nous devons vivre dans un esprit de partage. L'homme et la femme doivent être dans un esprit de partage, continuellement. Et deuxièmement, ils doivent vivre dans un esprit de soutien mutuel et aussi s'honorer et se respecter régulièrement. Ça, ça doit être les maîtres mots. Communion parfaite, soutien continuel et s'honorer. Et vous le savez, tout homme a besoin d'être respecté. Comme toute femme a besoin aussi d'être aimée et d'être comprise. Donc, vous avez ici dans le couple, chacun a... Inversant, l'homme veut qu'on le respecte, et souvent, chaque homme a ses paramètres, il faut les savoir, pour lui, qu qu'est-ce qu qui est respecté Et la femme dit, aimez-moi et comprenez-moi. Donc voici deux personnes qui doivent vivre ensemble, deux genres différents, mais chacun avec des perspectives un peu différentes, mais qui se rejoignent. Donc en ce moment-là, nous devons faire attention, attention pour que chacun ici dans ces trois notions là que nous puissions vraiment être sûrs que Dieu que nous sommes en train de faire les choses comme Dieu veut. Et c'est pourquoi une personne qui conjugue tout en moi, je, mon intérêt et qui ne s'intéresse pas trop à la personne qui est devant lui, en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas prêt en ce moment à une vie de couple. Parce que dans la vie de couple, tu es obligé d'être dans la communion pratique avec ta femme. Tu es obligé d'être dans un soutien mutuel et vous honorant. Et aussi, le verset 25 de ce passage dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce qui veut dire que tout cela doit se passer dans le respect et aussi dans la, dans, la, dans la sincérité, dans la franchise, dans l'ouverture, puisque chacun marchait, ils étaient nus, et personne n'avait honte de cela. Donc, il y a une ouverture ici que nous devons avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est pourquoi nous devons, tout en sachant... Que toute famille tire son nom de Dieu notre Père comme Ephésiens 3, 14, 15 le dit. Nous devons savoir que Dieu tient tellement la famille, que Dieu veut que nous marchions justement dans ces vertus-là. Nous n'avons même pas encore abordé et, et les clés. Parce que quand nous allons aborder les clés, et je pense que là ça sera certainement demain, nous allons comprendre une chose. Nous sommes faits. C'est-à-dire que le mariage, c'est comme si on est dans ce véhicule-là qui n'a pas d'option de, de marche arrière. Nous sommes faits pour avancer. Et si nous sommes faits pour avancer, quel intérêt qu'on refuse de nous pardonner, qu'on refuse de faire certaines choses qui agrémentent la vie de la famille. Et donc, nous devons, ça doit être clair pour nous. Et chacun doit mettre tout en œuvre pour que l'autre soit heureux. Est-ce que c'est ça Est-ce que ça se passe ainsi à votre niveau ou comment ça se passe Est-ce qu'on se... toi tu te lèves avec l'idée que tu vas poser des petits pièges à ton mari Il y a des femmes qui le font. Des pièges à tous les niveaux. Mais où est-ce qu'on en est Et nous devons savoir que le bonheur là, ça se construit chaque jour, jour après jour. Parce que le mariage même il n'est pas statique, il est dynamique. Et quand il est dynamique, quand il avance là, comment vous le faites avancer Est-ce que dans votre cas, vous êtes en train de d'avancer négativement, ou est-ce que vous êtes en train de construire cette vie familiale tout en vous fondant sur la parole de Dieu et faire en sorte que tout aille bien Et l'amour doit être le maître mot de votre foyer. L'amour doit être le maître mot. Ne faites pas comme cet homme-là. Lui. Il était, je vous assure, et ce témoignage la brise le cœur, dans sa propre famille, mais il était méchant. Méchant vis-à-vis -vis de, son, de, son, de, de sa femme, méchant vis-à-vis -vis de ses enfants. Il y a des pères de famille ainsi. Pourtant, il était dit qu'il était chrétien. Il avait une voiture. Personne ne doit toucher à cette voiture-là. Même quand ils doivent aller dans un endroit avec son, sa femme et ses enfants, il chaque jour il semble qu'il se levait et il lavait la voiture là, mais il prenait tellement soin de la voiture. Et quand ils doivent aller à une quelque part, il rentrent seul dans la voiture. Il va, il conduit, il arrive, il garde, il s'assoit, et c'est après qu'on voit sa femme et ses enfants venant à pied. C'est un témoignage vrai que je vous raconte. Donc, son bien n'appartenait pas à tout le monde. Et voici que je résume. Un jour, cet homme-là et tout le temps, il était dans son coin à la maison. Il ne parle pas. Quand il arrive, c'était le lion de la maison qui arrivait et tout le monde courait. Sa femme s'est demandé un jour. Mais elle, elle ne le reconnaissait pas. Elle dit que mais, quand j'épousais cet homme-là, c'était un homme vraiment jovial et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Les enfants courent partout quand ils le voient venir. Et chacun le laisse dans son coin. Jusqu'au jour où cet homme-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a eu une crise cardiaque. Le temps de savoir, on l'amène à l'hôpital et aux urgences, on dit qu'il était déjà parti. Mais quand la, la nouvelle a été annoncée à la maison, les gens souriaient. Non, mais on ne doit pas en rire. Ça, c'est triste. La femme regarde les enfants, chacun lance un petit sourire à l'autre. Comme pour dire que finalement, c'est-à-dire, il est parti quoi Bon, c'était une sorte de joie pour eux. Ce qui est très triste, un père de famille qui part. Et c'était cette situation. Et voilà ce qui va se passer. Quand on a amené le cercueil de cet homme-là à la maison, au moment où les gens ont fait toutes sortes de petits cérémonials, ces enfants se sont vus. Et il y a un qui s'est détaché, qui a dit à ceux qui s'occupaient du cercueil, qui ont dit, et nous les enfants, nous voulons faire quelque chose avant que vous nous fermiez le cercueil. Les gens se demandaient ce que c'était. D'autres ont cru que c'était pour juste regarder le corps avant. Et ils ont exigé qu'on ouvre un peu le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil. Et l'enfant qui avait parlé avait dans sa main le trousseau de clés de sa voiture. Et ils ont dit, si de son vivant, on ne pouvait pas rentrer dans sa voiture, ce n'est pas après sa mort qu'on va rentrer dans cette voiture. Et ils ont jeté le trousseau de clés dans le cercueil. Ils ont exigé que les gens referment le cercueil avec les clés. Et les gens étaient obligés de le faire. Hein. Et il y a un qui dit qu'il aille au ciel avec ce trousseau de clés et qu'il dise à Dieu qu'est-ce qu'il cherche au ciel avec une, un trousseau de clés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La méchanceté au niveau des familles, il faut arrêter ça. Cet homme ne peut pas voir la face de Dieu. Et ça, c'est cet homme. Où est-ce que toi tu en es Dans une moindre mesure, peut-être. Quel type de méchanceté tu exerces au niveau de ta famille, homme comme femme Souvent, quand on en parle, les gens ne savent pas ce qui se passe. Souvent, il y a, ça dire souvent dans des familles, c'est comme un foyer où des gens se détruisent. Pourquoi Dieu n'a pas mis Adam et Ève ensemble pour les punir. Il ne les a pas mis ensemble pour qu'ils se détruisent. Il les a mis ensemble pour que un projet de vie soit construit, pour qu'une destinée soit accomplie, pour qu'un rêve soit réalisé, pour qu'une vision soit réalisée et que chacun joue un rôle pour que la gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi l'ordre divin est important. La parole de Dieu est claire. Je vous assure, quand on regarde, il a tout fait pour que tout se passe bien. Et quand tout se passe bien, la gloire revient à lui et lui seul. Et quand tout va bien, écoutez, il a bien dit à l'homme, tu aimeras ta femme. Marie, aimez vos femmes. Il n'a pas dit, aime-la si elle se soumet. Non. Il n'a pas dit aussi, à l'homme, à la femme soumets toi s'il t'aime ça veut dire que tu conditionnes ton action par l'action de l'autre mais il a dit chacun a sa part de responsabilité ici si, chacun doit jouer et si chacun joue sa part de responsabilité Ephésiens 61 aussi parle des enfants si les enfants obéissent aux parents et la parole de dieu dit que c'est une condition pour qu'ils soient heureux et qu'ils aient une longue vie Jusqu'aux serviteurs servant dans la maison un ordre divin parfait et quand tout est fait correctement c'est alors que nous pouvons voir la gloire de Dieu descendre sur la maison. Et c'est pourquoi je termine avec justement l'image de la construction du tabernacle. Regardez de Exode 36 à Exode 40. Nous voyons comment Dieu a prescrit, a dit dans les plus petits détails tout ce qu'il fallait faire dans la construction du tabernacle. Il fallait que chaque chose soit à sa place. Il fallait que Moïse fasse des choses bien précises, et il ne fallait pas les faire autrement. Il fallait les faire selon ce que Dieu dit de faire. Et dans et Exode 40. Il est dit au verset 33 à 34, il est dit clairement que quand tout était en ordre, tout était bien fait, c'est alors qu'une nuée vient couvrir, était venue couvrir le tabernacle. Une nuée, la gloire de Dieu la présence de dieu c'est pour dire que quand aussi dans le foyer quand nous faisons les choses telles que dieu dit de faire la gloire de dieu descend dans le foyer et la présence de dieu ne fera jamais défaut dans le foyer et c'est alors que la bénédiction commencera à, à se manifester pour que chacun puisse rentrer dans sa, dans sa, sa, sa bénédiction mais ce soir-là nous allons nous arrêter là mais nous allons baisser nos têtes nous allons poursuivre demain et je t'en supplie ne manque pas une seule séance parce qu'il y a des choses que nous allons nous dire nous allons nous dire des choses qui vont nous aider et ce soir là sur la base de juste ce que tu as entendu quelle évaluation tu fais de ta propre compréhension sur les questions de famille ou est-ce que au moment où nous parlons est-ce que tu as pu avoir triomphé de ton propre cœur par rapport aux choses essentielles de la famille? Ou est-ce que tu fignoles encore sur certaines situations qui font que tu n'arrives pas à lâcher certaines choses? Tu n'arrives pas à développer des vertus? Tu n'arrives pas à laisser ton cœur aller dans le sens que Dieu veut pour que son nom soit glorifié? Ce soir-là, baisse ta tête, s'il te plaît, baisse ta tête et commence toi-même à, à, à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Moi, quand j'écoute toutes ces situations et surtout euh, tous ces les témoignages et puis surtout ce que la parole de Dieu nous dit, et femme, nous avons dit, la femme sage bâtit sa maison. Quel genre de femme es-tu dans ta maison? Femme sage ou femme insensée? Femme qui fait la couronne sur la tête de son mari ou encore es-tu cette carie-là ou ce cancer qui détruit insidieusement la vie de ton mari? Où est-ce que tu en es ce soir? Homme, où est-ce que tu en es? Dans ta responsabilité, où est-ce que tu en es? Enfant, où est-ce que vous en êtes? Enfants, là, ce pas les tout petits. On peut avoir 30, 40 ans. Est-ce que nous sommes des enfants obéissants et qui respectons, qui honorons nos parents Ou est-ce que nous sommes dans la rébellion Ce soir-là, le Saint-Esprit est témoin de ce que tu dis dans ton cœur. Et ce soir-là, je voudrais sincèrement que nous puissions nous, nous évaluer. Qu'on soit seul, seul à seul avec le Saint-Esprit, nous évaluer pour voir où est-ce qu'on en est. Le Seigneur veut qu'on pose justement ce fondement pour pouvoir continuer. Et pose-toi cette question, où en es-tu Où en es-tu ce soir par rapport à l'enjeu même sur la famille Où avais-tu pris les choses à la légère en te disant que, ouf, dans tous les cas, il n'y a pas que ta famille qui soit en difficulté. Nous sommes responsables de la vie de notre famille. Seigneur, ce soir, nous nous soumettons simplement à Toi. Soumettons nos cœurs, Seigneur, à Ta Seigneurie. Esprit du Dieu vivant, montre, touche du doigt ce qui doit être fait. Touche du doigt là où nous devons nous, nous reprendre. Et accorde-nous cette grâce-là de nous ouvrir à ta voix et d'accepter ce que tu dis. Père, alors que nous sommes dans ce temps de repentance, nous nous attendons simplement à toi. Ouvre notre compréhension. Fais-nous grandir dans cette compréhension. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on est prêt dès ce soir-là à faire un engagement avec le Seigneur pour dire... Oui, je suis d'accord avec toi pour revoir certaines situations dans ma famille, pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi, pour ne pas ouvrir la porte à toutes sortes de choses qui viennent mais qui ne sont pas à mon avantage. Oui, Saint-Esprit. Oui, oui. Je dis oui. Oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je, Je dis, dis oui, Seigneur. Seigneur. Je dis oui. Est-ce qu'on peut se tenir debout oui, Terminé. Je, je dis oui. Je dis oui. 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 Oh, ta parole. Je, je dis oui oui, oui. 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 Librement. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Say yes, oh, yes, 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 yes. I say yes. I say yes. With all, my yes, heart. Oh, oh, yes, I say yes, my Lord. I say yes, oh Lord. All that you say. I say yes, oh Lord. If all I say yes 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 oui pour changer